L'envoyé spécial du chef de l'État sud-africain Cyril Ramaphosa, le vice-président de ce pays David Mabuza, a été reçu le mercredi 16 mai 2018 à Moscou par le ministre russe des Affaires étrangères par intérim Sergueï Lavrov. À cette occasion, les deux parties ont évoqué les perspectives de partenariat entre Moscou et Pretoria. Ils ont également confirmé leur disponibilité d'approfondir davantage le dialogue politique, de renforcer la coopération dans de nombreux secteurs. Sur ce plan, c'est d'ailleurs la Russie que l'Afrique du Sud avait choisie pour la construction de son parc nucléaire. Et dans son propos, Sergueï Lavrov a souligné que son pays a été solidaire du peuple sud-africain dans sa lutte contre l'apartheid. En son temps, en effet, l'Union soviétique avait effectivement accueilli de nombreux boursiers du Congrès national sud-africain, ANC, qui sont ensuite devenus pour certains ministres, pour d'autres des hauts cadres. Depuis lors, la coopération entre les deux pays est très dynamique. Les deux pays sont d'ailleurs membres d'un forum de politique internationale que constituent aujourd'hui les BRICS, un groupe de 5 pays qui se réunissent depuis 2011 en sommet. Il s'agit de la Chine, de la Russie, de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud, dont le prochain sommet est prévu justement à Johannesburg du 25 au 27 juillet 2018. En marge de cette réunion, une rencontre spéciale est déjà programmée entre Cyril Ramaphosa et Vladimir Poutine, l'Afrique du Sud qui, à cette occasion, assurera la présidence des BRICS. Le ministre Sergueï Lavrov avait effectué en mars 2018 une longue tournée en Afrique. Moscou, qui, après avoir donc délaissé le continent dans les années 90, manifeste depuis ces derniers temps un regain d'intérêt pour l'Afrique.